Eh bien, bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter qu'est-ce que c'est la 8D. Je veux aussi vous faire découvrir ce phénomène qui est incroyable. On se croirait dans un concert. Alors, c'est parti. Mais avant toute chose, vous êtes vraiment obligé d'avoir un casque ou des écouteurs. Sinon, ça sert à rien de regarder cette vidéo parce que vous n'aurez aucune sensation. Très bien. Alors, on part sur la première musique que j'ai choisie. Donc, Linkin Park, Castle of Glass. Pour ça, n'hésitez surtout pas à fermer les yeux. C'est à gauche, à droite. Oh, trop stylé. À derrière, à gauche. À gauche, ah oui. Wash the poison from off my skin. Show me how to be whole and fly me up on a silver wing. Past the black where the sirens sing. Alors, j'ai écouté plusieurs fois la 8D, et vraiment la 8D, j'adore ça. Donc, je tenais à vous le partager. Ne vous étonnez pas s'il n'y a pas vraiment de grande expression envers mon visage. J'ai déjà écouté ça plusieurs fois, c'est juste un délire que je voulais vous montrer parce que j'adore en écouter, les musiques comme ça. En plus, on peut se mettre dans un endroit et écouter une musique avec cet endroit. On ferme les yeux, si l'endroit correspond, c'est encore plus dingue. On passe sur une deuxième musique qui devra vous plaire. Imaginez, vous, avec votre petite amie que vous tenez dans les bras. Vous allez comprendre. Et vous lui mettez le casque. Et vous dites de fermer les yeux, écoutez cette musique. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Tout le monde du coup va dire Titanic, mais tout le monde sait que c'est My Heart Will Go On de Céline Dion. C'est juste magnifique d'écouter comme ça. Déjà qu'écouter une musique simple et fermée, c'est bien. Mais avec la musique qui tourne autour de vous, ça change tout. Des fois on a un peu l'impression que le fauteuil tourne. Ça me l'a fait au début. J'ai l'impression que mon fauteuil tournait autour de moi. Vu que c'est un fauteuil à roulette en fait. Ainsi, je vous propose d'aller écouter la troisième. Alors qu'est-ce que j'attends? Rien. On y go directement? Avant ça, je vais quand même la finir. Hein. Allez, on est reparti. Alors celle-là, vous savez que je suis obligé de la mettre. Hein. Vous savez que j'adore Harry Potter. Bien sûr, quelqu'un fait Harry Potter en 8D. Cette personne, je la remercie et je l'adore. Donc, c'est parti. Donc c'est bon, j'ai fini cette écoute.
On est parti pour la suivante, et celle-là, elle m'a envoyé du lourd. Donc vous l'avez reconnu, Imagine Dragon, Believe. Donc les amis, la quatrième écoute est terminée. Alors sur ce, je vais vous montrer un petit test que j'ai fait. J'ai essayé de créer une musique en 8D avec une musique qui est sortie il y a pas longtemps, il y a moins de 3-4 jours. Alors j'espère que ça vous plaira. Sur ce, bonne écoute. Do you remember Brian? You know in the class book, where is Brian? Brian is in the kitchen. Brian is in the car. But do you know the real story of Brian? We don't think you do. 5 years ago, in the blues, Brian has been space sucks for a week. He's mad, everyone knows. Since was hammer, into his face. Does he love taking oyster bath? Yes he does, yes he does. Does he watch TV shows backward? Yes he does, yes he does. Does he like making himself on the telephone? Yes he does, yes he does. Does he enjoy when you take him for a fool? This is the Brian story, classbook hero from the past. Sur ce les amis, la vidéo est terminée. N'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification et de partager cette vidéo et de laisser un petit commentaire pour m'indiquer ce que j'aurais fait pour m'améliorer, ce que je dois faire pour m'améliorer dans mes vidéos. Et sur ce les amis, je vous dis à la prochaine. Alors, portez-vous bien et allez, ciao!